Pof. La sécurité avant tout, se désinfecter les mains. Yo, salut à tous, c'est Aurélien Fontenoy, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon moment, malgré la situation un peu compliquée en ce moment. C'est pour ça qu'on tourne dans le studio et qu'on va débriefer le concours que j'avais lancé à Noël. Je rappelle, 100€ à gagner à ceux qui réalisaient mes figures. Donc potentiellement, là, on est sur la finale. Il y a eu des qualifications, maintenant, on est sur la finale. Il y a eu 6 finalistes et c'est grâce à mon partenaire VPX qui nous fournit les barres de céréales pour se régaler pendant cette phase de confinement. On va se régaler, donc c'est des barres protéinées, peu de sucre, idéal en collation par exemple après le vélo. Il y a plusieurs parfums, ici on est sur un goût cake et gâteau, ici on a des fruits des bois fraises. On va se régaler, on va déballer, on va tester ça. Ça se présente comme ça, une petite barre. On va la goûter pendant qu'on débriefe ces vidéos. On rappelle juste les règles. Ceux qui étaient en finale, je vous avais imposé 5 techniques. Je vous avais proposé tout d'abord 5 sauts sur la roue avant. Donc on partait dans cet axe-là, un tour sur la roue avant et on finissait dans le même axe. Là, je vais être indulgent pour la finale, je demande à 360. La deuxième technique, elle a été imposée par un abonné, Emric, je me souviens, c'était une technique qu'on avait appelée le cavalier un peu bizarre. En gros, il fallait se mettre sur la roue arrière, mais à l'inverse du vélo et faire 5 sauts. Donc là, pareil, on sera très indulgent, il faudra bien faire 5 sauts, pas 4, pas 3, pas 4,5, ce sera 5. La troisième technique, c'était un 360 uniquement sur la roue arrière. Là, on le voit, vous avez compris. Et là, c'est vraiment un 360. Hein. Il ne faudra pas finir en 180, en 300 degrés. Il faudra partir la roue avant ici, faire le 360 et replaquer ici. Hein. La quatrième, c'était peut-être la plus dangereuse. Un salto avant par-dessus le guidon. Je vous avais autorisé d'utiliser un matelas. Si vous atterrissez pas sur ses pieds, si vous posez les mains ou quoi que ce soit, ça sera disqualifié tout de suite et il n'y aura pas les 100€. Et la cinquième, je vous avais imposé un saut de 2 mètres de haut. Peu importe, le but c'était pas de se faire mal. Donc je vous propose de commencer la vidéo maintenant. Alors, bon bah avant de lancer le défi, on va goûter cette petite barre de céréales pour commencer et regarder vos vidéos. J'ai pris goût fraise myrtille. Alors, ouais, pas mal. Ok. Alors, c'est parti. Allez, le premier finaliste, c'était Antoine. Antoine qui, bah là, propose la technique du cavalier qui a été validée. Là, je coupe la vidéo. Malheureusement, Antoine, il m'a marqué un mail comme quoi il n'avait pas pu terminer la vidéo car il avait tordu la roue avant de son VTT trial. Là, c'est pour ça. Et d'ailleurs, il a filmé avec un VTT qui n'était pas le sien. Donc, malheureusement, Antoine, c'est pas gagné. Désolé. On en refera, t'inquiète pas. Le deuxième candidat, Batride. Par-dessus le guidon. Ok. Là, ce qui est cool, c'est que j'ai pu voir vos progressions. On voit à chaque fois. Là, c'est pas validé non plus, mais ça se rapproche. On a dit sans les mains. Et ce qui va y arriver, là, on est pas mal. Je crois que tu as touché les mains. Lâche-moi ces mains, Batride. Allez, celle-là, c'est la bonne, vas-y. En vrai, c'est la vitesse et l'engagement, là. Plus vite, hein. Voilà. Donc ça, c'était bon. Là, le 360 maintenant. Celui-là, il est pas validé. Ah, ça, c'est validé, la chute, mais pas pour le concours, dommage. Faut tout le temps freiner. Faut pas faire en espèce de manual. Ah, alors attendez, parce que là, il part sur la roue avant. Je pense que tu as voulu nous la faire de travers en te disant « Ok, le 360, ça va passer là. » Mais si on se fait une ligne, ici, tu es parti là, on est d'accord, on va le faire ensemble. Après, vraiment, ça sera la vie des abonnés, mais je pense que c'est pas validé. Regardons. Là, si on regarde, du coup, tu es parti la roue avant ici. Ici. Ok, on est sur cet axe-là. Et tu sors là-bas. Alors, on n'est pas sur un 360 totalement fini. Je vais faire un petit onglet pour demander l'avis des abonnés. Est-ce que vous pensez qu'ils méritent de valider cette technique? Pour moi, ce n'est pas un 360. On avait dit l'avant au même endroit que le départ. Là, on est plutôt sur un 340 degrés. Donc, pour moi, ce ne sera pas validé. Je suis désolé, Batride. On va voir les autres techniques. Là, on était sur le tour sur la roue avant. Pareil, je ne sais pas si c'est validé là à ce moment-là. Ouais, ça commence à faire beaucoup là. Je crois que tu t'es dit que c'était pas loin, effectivement. Ok, c'était pas celui-là. Non, la 180, non plus. Je vais prendre une petite barre, tiens, ça va te donner de l'énergie. La barre VPX 0 impact. Allez, allez, allez. Ah là, faut vraiment donner de l'engagement. C'est le fait de tourner votre guidon. Pas loin. Laissez le vélo tourner. Tournez le guidon, laissez l'arrière partir. Allez, allez. Oui, là, c'est bien, là. Tourne, 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 tourne. Yes. Oui. Voilà, ça qu'on veut.
1, 2, 3, 4. T'aurais pas eu les tapis, franchement, ça passait. J'avoue que ça fait peur quand on est tout en haut du guidon, on est à plus de 2 mètres de haut. Allez là, 1, 2, 3. Par l'avant. Non, je veux recommencer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cette technique-là, elle est validée. Et le saut de 2 mètres maintenant. Allez. Ok, c'est bon, il l'a refait. Voilà, ça passe. Il nous fait un petit récap, le salto avant. Là, du coup, c'est la technique, on sait pas trop. Là, honnêtement, pour moi, c'est pas validé. Je suis désolé. C'est là où ça va se jouer les 100 euros. Là, les 5 bons sur la roue avant, c'est validé également pour moi. Je l'ai accepté. Les 5 sauts en cavalier un peu chelou, ça, c'est validé aussi. 2, 3, 4, 5, 6, tu m'en as fait même. Et le saut de 2 mètres, ça, c'est validé aussi. Oui. Yes. Et Babat Ride, j'attends l'avis de mes abonnés. Je veux pas être le vilain petit garçon de cette vidéo, mais pour moi c'est pas validé, sauf si la majeure partie de mes abonnés pensent que c'est validé, ils le marqueront dans le petit onglet et ils lâcheront un gros pouce bleu pour te soutenir. Allez, on attaque avec le troisième rider, c'est Colin cette fois-ci. Colin qui se présente, qui roule sur un TMS, la même marque que mon Street Trial actuellement. Allez Colin, c'est parti. Du coup, les 5 sauts sur la roue avant, ça y va doucement. Tourne plus le guidon, vas-y, ça ira plus vite. Hop, 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 hop. Ok, validé pour moi. Plus que le 3-6 même. Impec, Colin. Première technique. Deuxième, les cavaliers. Ouf. Ça, c'est chaud. Je vous avais dit, celle-là, elle est pas si facile. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yes. Oui. Maîtrisé en plus. Plus que 5, ça propre, ça. Le 3-6, alors là, on regarde bien. Non, pas validé. Pas validé. Ensuite, vas-y, ça va passer. Oui, là le 3-6, on voit qu'il est dans l'axe pile poil. Le salto avant, non. Faut pas mettre les mains, j'avais dit. Allez, yes. Woo. Yes, Colin. Oh, le backflip. Il est chaud. Il est chaud. Et là, on valide les 2 mètres si ça passe. Allez, vas-y, Colin. Et d'ailleurs, je me demande, attends, petit arrêt sur image là. Est-ce que Batrack, ça serait pas le même container que tu as sauté là? Je me demande si vous êtes pas potes tous les deux, non? On dirait le même. Bah, peut-être pas, hein, mais il y a une ressemblance en tout cas. Le container, vas-y. Allez. Facile. Pouaf. Yes. Et bah, Colin, qu'est-ce qu'il nous fait là? Ah, il y a un petit bonus là, non? La sortie 3-6, yes. Ah, ça sent le backflip ça. Ah, backflip raté, yes, ça passe. Propre. Et bah, Colin. Colin, 100 euros, le chèque il arrive chez toi, Colin, premier vainqueur de ce concours. Mais il y en aura peut-être d'autres, donc on va voir. Je vous ai dit, c'est tous ceux qui réussissent, donc potentiellement il y en aura d'autres. Allez Loris, c'est parti, qui est en Street Trial également. Il nous avait impressionné sur les qualifications. Là, le premier tour sur la roue avant, c'est propre, ça continue. Oh là là, ça continue avec un foot jam whip. Plus que validé, là on est chaud. 1, 2, 3, 4, 5. Ça le fait également. Le tour sur la roue arrière. Easy, c'est propre en plus. Réception tranquille. Là, je sens qu'on a un bon candidat. Un peu plus chaud pour le salto avant. Non, qu'est-ce que tu m'as fait, Loris? Drop de 2 mètres, ok. Et le salto sur la roue avant, non? Loris, tu peux pas arrêter la vidéo comme ça. Quelques crashs, je vois là qu'il y a des crashs. Mais il est où le salto avant? Les 100 euros, Loris. Le foot jam. Oui. Ah, peut-être là. Non. Non, non. Ah, je crois qu'il y a eu un blocage sur le salto avant. Watch. Par-dessus là. La troisième corde. Mais je suis trop déçu. Loris, pourquoi tu m'as fait ça? T'avais tout fait avec une facilité. Et le salto avant, non. Eh ben, je suis déçu, Loris. Je pense que là, ça s'est joué dans la tête. Mais t'as bien fait, franchement. Je vous avais dit, si vous sentez pas, ne vous jetez pas à la mort. C'est pas grave, ok? On fera d'autres concours. T'auras une deuxième chance. D'ailleurs, voilà, si vous souhaitez des petits concours comme ça, je sais que c'est un peu une période où on est confiné à la maison. Certains ont des jardins. D'autres, bon, bah, ils descendent tout seuls, sans trop côtoyer de monde. Est-ce que ça vous intéresse des petits tutos, des petits concours comme ça? Marquez dans les commentaires et surtout lâchez les gros pouces bleus. Comme ça, on en refera. Le nouveau, c'est Flo. C'est parti. Et là, on le voit derrière. Je pense que c'est un fan de DH et d'enduro. Je remarque le petit poster de Fabio Wimmer. Qui c'est qu'on a d'autres? Bruni. Gauche, je sais pas. Ça à vous de découvrir. Tiens, dites-moi dans les commentaires. Allez, let's go. Salto avant.
Oh, il y avait les mains, mais sans les mains, ça va le faire. Oui, je crois que tu as pas mis les mains là. Voilà, c'est bon, c'est validé là. Partout. Là, il y a les mains, mais c'est devant, ça va. Ok. 1, 2, 3, 4, 5. Moi, je crois qu'il y a les 5. Hein. Je crois qu'il y a les 5. Ok. On valide le cavalier à l'envers. Le saut, ouais. C'est bon. Ouais, ça faisait peut-être pas 2 mètres avant. Là, ça fait 2 mètres. Boum. Yes, bien joué. Ah ouais, le tour sur la roue avant. Allez. Non. Allez, il manque juste un quart là. Allez, stabilise. Passez sur l'avant là. Ah, t'as déchiré ton pantalon en plus. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Allez. Mais du coup, attends, qu'est-ce que tu m'as fait? Tu as abandonné le saut sur la roue avant. Ouais. Ok, celui-là, c'est bon. Wow. Yes. Ça, c'est beau. Voilà. Ouais, ça rage. Oh, yeah. Franchement, je suis déçu pour toi, Flo. Je pense que c'est pas validé, malheureusement. Saut sur la roue avant. Allez, là, tu nous finis avec un petit best-of. Ça fait plaisir, vas-y. Allez, Flo. Yes. Ça, c'est beau. Oh, la bosse à backflip. Je crois que vous aimez tous les backflips ici. Yes. Ça finit un peu à côté du vélo, mais c'est passé. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de Flo. Je vous la mettrai dans la description. Hey Simon, nouveau candidat. Simon que je connais, qui fait partie de mon club à Montluçon. On va voir si tu as tout réussi, Simon. Ok. Let's go. Allez, fais-nous rêver avec ton petit vélo là. Le cavalier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yes. Front flip. Ah ouais, pas de maths là, Simon, toi. La jeunesse, l'inconscience. Yes. L'inconscience de la jeunesse. Le tour sur la roue avant. Ouh. Je sais pas si on le valide ça, Simon. Tu t'es un petit peu emballé là. Je sais que tu le fais très bien, mais est-ce que t'es pas allé un peu vite sur ton 360 là? Si tu venais de là, faut que tu arrives là. Ouais, genre là où t'as déplacé. Marquez dans les commentaires également, je suis pas sûr du 360. Un autre 360 sur la roue arrière aussi, s'il te plaît. Simon, là, c'est un peu bâclé le travail, je suis un peu déçu de toi, là. Pareil, le 360, c'était pas des sauts sur la roue arrière, c'était un seul saut. Bon, ça va que tu le fais avec le tracteur, hein, parce que... Mais là, encore une fois, marquez dans les commentaires, Simon, est-ce qu'on lui valide ce... Voilà. Bien fait. Est-ce qu'on le valide? Les sauts de 2 mètres. Chboing. L'impact. Ouais, le salto avant. Propre. Mon tour de te lancer à un toi défi. Maintenant de me lancer un défi. Vas-y, dis-moi. Pas encore essayé. Vas-y, montre-moi. Dans ta vidéo où tu testes des vélos bizarres. Il sera prêt pour toi quand tu reviendras à Montluçon. Ok, vas-y. Et regarde la démonstration. Salut. Vas-y, montre-moi le vélo. Yes! Circus, t'as pas la fourche à l'envers également là? Le vélo ressort. Waouh! C'est quoi ce vélo? Énorme! Vas-y, je veux trop essayer moi. On peut applaudir également. Yes! Bon voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ne quittez pas, je vais faire un petit remerciement également à tous ceux qui ont essayé et qui n'ont pas voulu spécialement participer mais qui ont essayé ce défi, qui l'ont posté sur leur chaîne YouTube. En tapant défi Aurélien Fontenoy sur YouTube, j'en ai trouvé plein. Merci à VPX qui a sponsorisé cette vidéo. Je vous souhaite un bon confinement. A plus, ciao, pensez au like bien sûr et puis à l'abonnement. Allez, ciao.